Peux-tu trouver le canal de communication adéquat pour les jardins mélodieux? Notre plan de vol pour la forteresse de Kursa nous rapprochera suffisamment et nous permettra d'entendre les biophonies ou chants du monde naturel. Long en salvateur parfait pour nos malheureux nerfs, mis à mal par nos éreintantes aventures au Canyon d'Esperado. Note positive, en revanche, le Canyon d'Esperado nous a permis de vaincre, et de manière décisive, la dernière des chasseuses de Spark. Bipo, j'ai vérifié et revérifié le signal. Les jardins mélodieux sont tous... Mais c'est impossible! La planète entière est une symphonie vivante. Peut-être traverse-t-elle une période minimale? Je pense avoir trouvé une autre explication. Une épidémie récente de confusion sur toute la planète. Jenny, cap sur les jardins mélodieux, immédiatement! Oh. Nous y arriverons aussi vite que possible, je te le promets. Si nous ne sauvons pas d'abord les jardins mélodieux, nous risquons de nous jeter dans la gueule du loup, un nid de vipères aux pieds. La densité de l'air dans les jardins mélodieux a été considérablement altérée. À moins de rétablir la qualité de l'atmosphère, notre vaisseau ne pourra jamais accomplir la poussée nécessaire pour s'en échapper. Rien ne sera normal ici, à moins de débarrasser les jardins mélodieux de toute cette confusion. La tâche promet d'être difficile. Mais difficile à quel point ? Bien entendu, ce niveau de difficulté peut changer à tout moment lors de notre mission. Mais tout cela n'a rien de nouveau. Bon, hâtons-nous avant d'attirer une indésirable attention. Thank you.
sur vos gardes. Si mon analyse est correcte, nous allons bientôt voir un nouvel ennemi épouvantable éclore de ces drôles de chrysalides. Une fois vaincu, l'ennemi retournera à son état ovoïde et en ressortira comme rajeuni. À moins que vous ne leur chargiez dessus lorsqu'ils sont dans l'œuf. Un ennemi bien dangereux, j'en conviens. Je suggère fortement de les observer en détail à l'aide de votre caméra tactique.
son de la source. Tendez l'oreille pour apprécier la biophonie, la musique écologique la plus exaltante de la galaxie. Je n'imaginais pas que quoi que ce soit puisse réduire les jardins mélodieux à un silence total, même pas la confusion. Bipo, je crois avoir compris. L'équilibre des jardins mélodieux est brisé car son écosystème symphonique a été, par exemple, la densité de l'air de la planète a considérablement augmenté, ce qui empêche notre... Étant donné que toute musique n'est en somme qu'un déterminant mathématique des lois régissant les harmonies, ne pourrions-nous pas tout simplement reconstituer numériquement les biophonies de cette planète afin de rétablir l'harmonie des jardins mélodieux ? Génie ! La vraie musique ne se résume pas aux lois mathématiques, je ne sais pas, moi... Ces deux choses sont aussi différentes qu'une... Intéressant. Une octave est l'intervalle séparant la première et la huitième note d'une gamme majeure, tandis qu'un... Bon, ça suffit, Ginny.
voici la mare au concert. Je la reconnais aux nombreuses photographies que j'ai pu observer. Elle est, ou était, le véritable cœur de cette planète. Bipo, je détecte plusieurs formes de vie lapin crétin dans la flaque de confusion. Sûrement les célèbres et célébrés musiciens des jardins mélodieux coincés à l'intérieur. Dépêchons.